Bonjour le stream. Voilà. Ça commence bien. Il faut qu'il y en ait un qui rigole au moment où... Bon, bonjour le live, bienvenue du coup dans ce stream sauvage. Voilà, on est en compagnie de plein de gens, Snowluxray is no good read. Mais je vais fermer ma gueule parce que Snowluxray va faire son intro. Oh, pile à l'heure. Et bonsoir à tous, bienvenue aujourd'hui pour Luxury Speed Fun. On est de retour, comme tous les vendredis, on se régale. Je suis avec Is No Good, avec Wright et notre superbe invité des gamers qui déborde de bonne humeur. Salut les gars. Wouhou ! Let's go. Oh, on sent le saut de joie, là. Bah allez, bonjour mon live, du coup, là, voilà. En plus, vous avez parlé de ça en même temps, du coup, ça a juste bugué, c'est juste énorme, mais bon, tranquillement. Bon, comment ça va? Bon, on a entendu un robot à la place. Luxury Speed Fun, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, Luxury Speed Fun est un concept, évidemment, bon, bah, que j'ai créé, mais bon, c'est pas trop grave, on va dire fusionne, un peu Top Gun et le speedrun, donc qui sont deux disciplines plutôt différentes. Du coup, il y a tout simplement un seul objectif qui est d'aller récupérer des potions de force en survie. Nous sommes en 1.16.1 et tout ça, nous allons devoir jouer en équipe. Sauf un. Un d'entre nous sera Ellie Saboteur et son but sera tout simplement de ralentir la course car on aura tout simplement une heure à droite, comme vous pouvez le voir, pour aller chercher ses potions. Et si jamais nous n'arrivons pas à toucher au but, c'est le thorac, si nous n'arrivons pas à toucher au but, tout simplement nous devrons procéder à un vote pour savoir qui est le saboteur. Mais si jamais on arrive à avoir les potions avant le timer, et bien dans ce cas le saboteur a automatiquement perdu. Pour l'aider, le saboteur aura le droit à trois compétences, donc du coup qui pourra avoir grâce à un CD qui lui sera give 10 secondes après l'annonce du saboteur. L'annonce des saboteurs se fait pourquoi 55 minutes restantes. Bah, parce que c'est plus à toi que j'explique, ceux ils connaissent. Donc, ah oui, bah voilà. D'accord, bah oui, bah du coup. Ouais, ça fait toujours du bien. Surtout qu'en vrai, du coup, quand il reste. Oui, quand il reste 55 minutes de jeu, du coup, ou dépassé s'il y a un mort, le saboteur va posséder un CD cassé qui s'appellera Objet du saboteur. Et en gros, il pourra précharger une compétence parmi les trois qu'il ne pourra utiliser qu'une seule fois dans chaque game. C'est-à-dire que les trois compétences peuvent utiliser qu'une seule fois, donc ça fait trois compétences utilisables dans toute la partie. Tu as en premier la compétence qui te permet de clear bouclier, hache et épée. Et c'est tout, je crois, de ton inventaire. Bon, on s'en fout des pioches. Quand tu te bats contre un gaz, contre un blaze, et que tu fais cette compétence, ça met évidemment tes alliés, enfin tes adversaires plutôt, dans une mauvaise posture. La deuxième, ça octroie blindness pendant 60 secondes, donc du coup, pendant 60 secondes, tu ne vois plus trop autour de toi. Et le dernier, c'est speed 10 pendant une seconde, qui permet d'effectuer une petite glissade dans le nether, et ça, en général, ça régale. Pour l'utiliser, c'est très simple, une fois que vous avez votre CD en main, il faut que, tout d'abord, il faut que vous préchargez une compétence. Du coup, vous faites soit slash 1, soit slash 2, ou soit slash 3. Rassurez-vous, ça ne l'écrit que pour nous. Au 31-60. Les autres ne peuvent pas le savoir. Si tu veux précharger, par exemple, la speed, tu fais slash 2, et donc, du coup, slash 1, ça mettra que la compétence est préchargée. Et donc, du coup, ensuite, quand tu cliques droit avec le CD, ça va mettre speed 1 à tout le monde. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on l'utilise. Du coup, salut Wears. Et donc, du coup, je crois que j'ai à peu près tout expliqué pour cette superbe soirée. Des gamers, du coup, qui nous fait l'honneur d'être le tout premier invité, du coup, pour ce concept. Alors, voilà, donc on va voir si ça te plaît ou pas. T'as déjà un petit peu joué à 1.16.1 ou pas? Bah alors mec, je tiens à te dire, j'ai fait une survie en 1.16.1 que j'ai pas fini parce que c'est chiant à tout seul. J'ai fait une survie en 1.16.1 dans un serveur privé que j'ai toujours pas fini parce que c'est chiant. J'ai fait plein de survies mais je les ai jamais fini. Enfin si, j'en ai fini qu'une seule, ouais, et c'était avec... T'es un petit peu à l'aise un peu avec le monde qui t'entoure. Ah bah mec, PVP 1.16 et tout, mec, tu me donnes une épée, une hache, je vais taper, hein. Oh mais écoute, mais tu nous régales. Eh, je suis pas... J'ai envie de dire, je suis pas l'un des petits chialeurs du PVP 1.8 qui va dire « Ah gna, c'est nul le PVP 1.16 ». Tu nous régales parce qu'ici on adore le PVP 1.9, donc ça nous régale. Du coup, je te propose sans plus attendre de lancer la partie, et c'est juste parti. Wouhou ! Wow, wow, wow.
Ok, alors je suis là. Évidemment, je le rappelle, c'est du ultra hardcore, donc faites attention à vos cœurs. Pendant la partie, il est possible d'effectuer des votes. Ah bah, en gros, en fonction, si on a besoin par exemple d'un final heal, on peut faire un vote. Et s'il y a zéro vote contre, genre mettons, on va faire un faux vote ici, je vais faire slash vote. Et là, du coup, vous cliquez, tu fais entrer, et tu fais la touche de chat, okay. Et tu cliques soit sur pouce. Il l'a vu aussi. Et après, il va. Après, il va y avoir du coup le comment on appelle ça le reveal du coup des votes. Et s'il y a un seul contre, la question évidemment n'est pas acceptée. Si tout le monde est favorable par exemple à un final heal, on peut le faire. Mais s'il y a une seule personne qui est pas favorable, on le fera pas. Les votes sont anonymes, ce qui permet du coup au saboteur évidemment de counter sans se faire cramer. Tu as évidemment aussi le sonar qui est juste au-dessus de ta haute barre. Toutes les 5 secondes, tu connais la position de tes alliés ou de tes adversaires si tu es saboteur, bien évidemment. Donc du coup, en général, la mission du début, c'est d'aller chercher de la nourriture, enfin de faire des petits outils en pierre et aller chercher la nourriture le plus rapidement possible. Donc voilà, à partir de là, c'est plutôt des choses qui nous font plaisir, n'est-ce pas? Si jamais j'ai un briquet pour cuire, je mets un coup de briquet et je fais cuire. GG. Oh, mais ça, c'est GG, c'est un... Ah, mais attendez, je suis même pas... déçu, c'était saboteur dans 5 minutes, là. C'est ça. Eh, j'étais même pas sur ma scène basique. Ah oui, j'ai vu ça, d'ailleurs, sur la rediff du RP, mec, t'es resté pendant 1h25 de la session avec la mauvaise scène. C'est à 10 minutes de la fin. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai deux scènes, en fait. J'ai deux scènes de stream, j'ai une scène en full screen, j'ai une scène en petit screen. Alors en fait, la scène en full screen, du coup, c'est une scène que les streamers basiques vont prendre. Mais vu que je suis dans une campagne avec une connexion de... Merde. Y a pas d'autre mot à dire, hein. Y a pas d'autre mot pour décrire, hein. Je suis désolé, hein, mais bon. Le mot est voilà. Les termes. Et du coup, j'ai fait un petit système où, en gros, la scène où j'ai un overlay basique et tout, là, la sardoche, c'est une scène anti-lag. La sardoche. C'est une scène anti-lag, où en gros, je mets cette scène, et puis du coup, même si je lag, vous pouvez voir ce que je suis en train de faire. Tu vois. Oh, mais mec, t'as pensé à tout ça, c'est bien, t'es quelqu'un qui te... Tu te... Comment on appelle ça? Tu te morfonds dans les obstacles, et du coup, ça te permet d'avancer, quoi. Il brainstorm. Je brain. Tout à fait. Non, je brain juste court. On peut dire ça comme ça, hein. Bah écoute mec, on va le voir ce soir justement, c'était saboteur. On va vraiment Mais mec, je sais même pas si on a reçu les rôles ou pas en fait. C'est dans 2000, t'inquiète, t'auras un message qui te dira le saboteur a été désigné et de là on pourra commencer à dire ou toi t'es bizarre. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, tu es lavé de tout soupçon pour l'instant. Ouais. Ah bah c'est bon alors. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez bien évidemment switcher entre les POV, puisqu'il y a 3 POV ce soir sur 4, donc du coup, forcément, si le saboteur n'est pas parmi nous 3, vous savez qui est le dernier, qui est Right, du coup. Des Gamers est en live, Is No Good est en live, et voilà, donc ça régale, et moi-même, du coup, pour ceux qui sont sur les autres lives. Et voilà, vous avez juste à taper les pseudos, c'est que ce sont les mêmes que vous avez sur le tab Minecraft, sauf Is No Good, qui est un peu chiant, mais on lui en veut pas. D'ailleurs, Isno, t'as jamais testé si ton pseudo normal fonctionnait? C'est-à-dire mon pseudo normal? Surtout parce que c'est un faux pseudo que t'as. Ah, si, justement, j'ai déjà testé, c'est pour ça. Ah, du coup, y a vraiment un mec qui t'a pris Isno Good comme c'est écrit, quoi. Oui. Moi, j'ai eu aussi des problèmes de pseudo avec Twitch, mais c'était pour autre chose. Toi, c'est parce qu'en fait, il y a 28 caractères, c'est problématique. c'est pas ça. Non, c'est pas vraiment ça. Des Gamers France de Poitou-Charentes Métropole X. Non, en fait, j'ai voulu faire une. En fait, c'est vrai j'ai voulu. Que je peux comprendre que Twitch était en mode bon. Bon, gros. Nous la fais pas à l'envers, s'il te plaît. Non, en fait, c'était plutôt pour. C'était plutôt parce que j'avais fait un event à la Frigiel dans le temps. Apparemment, il avait déjà fait ça, mais en gros, c'était un espèce de hack simulateur, on va dire. On va nommer ça comme ça. Où en gros, il y a eu un event en fait sur ma chaîne YouTube, justement, où étant donné que j'ai deux comptes Minecraft, justement, que je prête à une pote, justement, parce qu'elle aime jouer à Minecraft, donc du coup, vu qu'elle a pas Minecraft, je me suis dit. C'est bon, je raconte ma vie. Oui. Mais. C'est vraiment un plaisir. Saboteur, le saboteur, mec. Saboteur.
Il nous régale, il nous régale. J'ai 4 cœurs. Bah du coup, ouais. Mais du coup, ouais, en gros. En gros, avant que je prête mon compte Minecraft à une pote, c'était mon compte secondaire où, bah, si je me faisais ban parce qu'il y a des kikous qui m'ont report 50 000 fois. Pas pour que tu cheat, hein. Oh, c'est bon, ça. Voilà, et puis même, c'était aussi pour un vieux projet aussi qui était une web série que j'ai suspendue parce que je n'ai plus le temps de m'y consacrer, mais. Oui! Oula, c'est... Est-ce que c'est la même web série que Will Boss Gamer nous avait parlé il y a un an dans le journal? Oula. Alors non, parce qu'à l'époque, oui, j'avais une émission, il m'avait dit ouais, je fais une web série et tout, c'est énorme et tout machin. Et du coup, non, c'est pas cette même web série. Non, c'est pas du tout cette même web série. La série de Will Boss, en fait, c'est très différent de la mienne. Et genre, sa série, c'est vraiment. Ça va tirer à balles réelles ou pas? Non, ça va pas tirer à balles réelles. Ah oui. Non, okay, ça va même pas tirer à balles réelles parce que. Toi, c'est sur Minecraft, quoi. Moi, c'était sur Minecraft, vraiment. Du pur Minecraft. Comme à l'époque où je regardais JTMox et JTMax. C'était deux youtubeurs, mais. Ouais. Vraiment, je charbonnais à ça, tu vois. Genre, les trois youtubeurs minecraftiens que je regardais à l'époque, c'était Sifano, Super Brioche et les deux fifous, JTMox et JTMax, tu vois. C'était vraiment ça. Et genre, je voulais vraiment. Ça me semble totalement legit. Et genre, je voulais faire ça à l'époque. Je voulais faire ça à l'époque. C'était des courts-métrages, mais je savais pas comment faire et tout. Je m'étais créé un deuxième compte parce que du coup. Des courts-métrages, mec. Je m'étais créé un deuxième compte et tout, justement, pour faire cette web-série. Que tu fais ? Raid, qu'est-ce que tu fais ? J'avoue que les courts-métrages sur Minecraft, il y en a qui sont plutôt chauds, notamment Flyzer, tout ça, là. Ah oui. Enfizo, je sais plus comment il s'appelle, mais lui aussi, il est chaud. Je suis aussi tombé sur FRTC, qui fait partie de ce crew-là. Ouais, FRTC, j'aime un peu moins, parce qu'il cadre bizarrement, ces trucs. Je sais pas, mais en gros... Tous ses plans, ils sont centrés, et je trouve que c'est un peu dur à se mettre dedans. Mais j'avoue que moi, le meilleur, c'est Flyzer, parce qu'en plus, il a une écriture qui fait vraiment rire. Et ouais, en plus, ouais, je suis vraiment tombé sur sa chaîne par hasard. J'ai regardé une de ses vidéos, je me suis dit putain, c'est trop bien. Mais en plus, ça fait longtemps qu'ils charbonnent ces gens-là parce que moi je les ai découverts, mais genre que très tard quoi. Moi, je les avais découverts avant, mais j'étais. 2019 quoi, j'étais en mode. Ah ouais. Moi, je les avais découverts avant, mais j'étais en mode ouais, d'accord. Mais après, je suis retombé sur leur chaîne et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Ouais, c'est... Ils gèrent de fou. Oh, bah justement, ma web série, c'était censé être des courts-métrages comme ils le font et pas des courts-métrages comme il a fait par exemple un certain youtubeur que j'aime pas du tout son format vidéo qui s'appelle Twinner. J'ai failli sortir. Wow. J'ai failli sortir un exposé. Messieurs, où êtes-vous? Quand même. Très loin. Un peu loin. Je vois ça, effectivement. Tu veux qu'on se rapproche? Tu veux qu'on se rapproche? Volontiers. Allez, on se rapproche. Alors, c'est vrai que Gino il lead, ça veut dire que je pense que c'est pas lui. Je pense que c'est pas lui. Les gars, réunion de Tupperware, tout le monde se rapproche. Ça y est, ça commence là. Attends, mais juste des gamers. Ça y est, genre, ça commence. C'est moi ou t'es full or là? Alors, il y a Rit qui est témoin. Je préviens tout de suite, Rit est témoin, mais j'ai trouvé un portail. Il a trouvé un. Ouais. Il y avait un portail. Mais les gars, ça nous met trop bien en vrai. Ouais, et j'ai pris le bloc d'or qu'il y avait dans le portail, donc on a déjà deux paires de bottes en or. Ah oui, par contre, je fais des arthrophodes les plus en or, c'est bon. Je peux l'utiliser comme ça. Hein. Ici, si vous voulez, il y a une faille sur nous, les gars. Ouais. Ouais. Ah bah attends, je suis derrière Snowluxray. Attendez, je vais le tuer parce que je suis un potentiel tueur. On peut pas se taper, je te rassure. Attends, vous êtes pas drôles, les gars. Vous êtes pas drôles, les gars. On a tout prévu, ne t'inquiète pas. attends, j'ai du mal à vous retrouver là. Tu vois le marais où on a tout spawn? Oui, on est là. Vraiment, on est là, mais. Ok, donc vous êtes à 300 blocs du marais. non, mais on est au bout du marais, mais dans l'autre sens, quoi. Tu m'as compris. On est au 0-0 si jamais. Attends, j'ai mouru. 0-0. Attends, mec, on est. C'était déjà plus. Ah, c'est là-bas en fait. J'allais faire un bateau. Ouais, c'est là-bas. Non, il y a. J'allais faire un bateau. Tranquille. Tu es bizarre, des gamers, tu veux faire des détours. J'ai suivi l'orientation, voilà. Vous voulez apprendre des choses sur moi? Je suis nul en orientation, voilà. Je suis vraiment le genre de mec où tu vas aller dire « Amène-moi à Paris, je vais t'amener à Marseille. » Ah ouais, j'avoue que moi, dans Minecraft, orientation, je suis rentré mauvais également. Ouais, genre, ça m'arrive souvent arrivé de me perdre dans des grottes. Ouais, mais genre, figure-toi, j'ai commencé sur Minecraft Wii U. En fait, tout ressemble, du coup, je suis en mode... Avant que tu inventes la technique...
Mais genre, tu veux apprendre un autre truc sur moi ? J'ai commencé aussi sur Minecraft Wii U. Ah, mais mec, ça, wow. Ça, je le savais. Je le savais parce que tu faisais partie du crew de Wheelboss, donc... ayant commencé également... Et encore, oui, j'ai même pas connu sur Minecraft Wii U, j'ai connu... Tu veux de la bouffe par un pote Wii U ouais, à moi, veux, mais... On s'est vraiment pas connu sur Minecraft. Les gamers, on va pas prendre trop de risques, donc on va sauter dans cette plaque d'eau, d'accord ? Ah mais ok, salut, ok. Voilà. Attends, je saute à côté. À je rigole. Non, juste, oh, mais c'est pas bien, toi. Juste, est-ce que vous avez récupéré un peu de bouffe ? J'ai un peu de bouffe. Yo. 10. Ah d'accord, je vais mourir. Je suis pas mort. Ok, bon, attendez. Des gamers passent une pièce à Snow, et Snow il va me faire des bottes. Attends, Snow, tiens, tu vois. Ah oui, parce qu'attends, faut qu'on lui explique. Dans le Nether, il y a Snow, ce qu'on appelle des cochons. Les gars, je regrette déjà d'avoir mis mes jambières en or. Hein? Oh non. Oh non, il y a quoi dessus? Oh non. Il y a malédiction du bien éternel. Il y a pas l'enchantement. Non mais je crois que l'enchantement il marche que quand tu meurs avec, non? Oui, c'est ça, c'est quand tu meurs. Il y a malédiction du bien éternel. Tu voulais te passer le froc mais je peux non, pas c'est du bon, coup. C'est bon, il y a pas de souci. Oh non. Mais si tu peux, je pense que tu peux en vrai, c'est juste que tu peux pas en gros, c'est juste quand tu meurs, je crois. Ah, je sais pas en fait. Ou alors à la limite, bah donne ton plastron au lieu des jambières, tu vois. Non mais c'est bon, j'ai le plastron. Ouais, bah OK, bah j'ai, oui, donc du coup, des gamers, au cas où tu ne saches pas, il y a des pilgrims qui sont dans le Nether, et si tu ne possèdes pas une pièce en or, d'ailleurs pour les gens oui. Du chat aussi, si vous ne possédez pas une pièce en or sur vous, ils vous attaquent. Donc du coup, c'est compliqué. Je le savais aussi, ça. On est absolument une pièce en or chacun quand on va dans le Nether, bien évidemment. Ouais. D'ailleurs, il y a une gentleman rules que je t'ai pas fait part des gamers, c'est qu'il est interdit d'aller Nether tant que tous les joueurs ne sont pas ensemble au portail. Ah oui, d'accord. Attends, tu disais ? En gros, tu peux pas partir tout seul, en fait. Je vois. Ouais, je vais te craft les bottes, juste attends, j'ai du temps. Les fours, les gars, vous les laissez volontairement ? Non, mais j'ai de la bouffe qui fuit dedans, en fait. Les gars, je pense qu'il faudrait faire... Mais ma bouffe ! Il faudrait faire un saut. Mais mon mouton ! Oh, pardon. Il a volé mon kebab ! Il a volé mon kebab, il a volé mes fours. Je te fais les bottes. Je croyais que c'était à eux et qu'ils l'avaient oublié. Non, t'inquiète. Oh là là. Il m'a volé mes fours. Non, c'est bon, il m'a... pas mal au pied. Non, je t'ai tout redonné, mec. Non, il y a pas de, bouille. Oula, vous, Ride, tu veux nous faire du mal là. Oh là là. Pourquoi le trou est genre immense là? C'est moi qui ai miné comme. Je vous avoue, j'ai même pas. Super. Voilà, des gamers, prends un cœur, le pauvre. Par ta faute, c'est d'où je retiens. Moi, je propose un IFH parce que bon, c'est pas que ça, mais je vais sûrement mourir moi. Non, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord, mais ça nous fout un peu trop dans la sauce. Ah, j'ai pour ou contre. Speed fun, s'il y a un vote contre, malheureusement, c'est on annule. J'ai de l'or ici, si tu veux. Let's go. J'ai une pomme. Attends, on est où là? On est dans une plaine, ça me va. S'il y a besoin, j'ai une pomme. Tente, il nous faut un peu de charbon par contre, parce que sinon on va rien voir. J'ai du charbon si vous voulez. Tiens, ça. Attends, parce que du coup, moi j'ai. Je voulais de base faire cuire mon manger en fait. Pourquoi j'ai deux boucliers? Le saboteur a voté contre. Attends, il y a deux boucliers, je crois que c'était pour toi, Snow. T'as pas honte, Snow? Non. Moi je pense plutôt que c'est quelqu'un d'autre. Ah, et les gars, on lag, donc du coup on passe à la scène. Pourquoi je me sens visé là d'un coup? Pourquoi je me sens visé d'un coup? Let's go, mec, bien joué, mec, bien joué, mec. Ouais, franchement, j'avoue, en vrai, c'était moi, let's go, quoi, j'ai trop. C'était moi, les gars, j'avoue tout. Oh putain, en plus, c'est vrai, on est en UHC, ça ne sert à rien la bouffe. Franchement, il m'a carré. J'avais oublié l'UHC, ça sert à rien la bouffe. Bah oui, mais j'ai pas de pioche en fer en fait. Si, c'est bien quand même, c'est un peu bien. J'ai pas de pioche en fer. Est-ce que quelqu'un a ramassé de la bouffe? Genre beaucoup de bouffe. J'ai zéro fer également. Bah là, sur moi, j'ai 7 et 9. Mais des gamers, il est bien en bouffe, il a 12 de moutons, je crois. Ouais, bon, 12 de moutons, je suis en train de les faire cuire, s'il te plaît. Quelqu'un a pris le verre? Le verre? Bah le sable. Ah oui. Bon, je peux remonter vite fait, c'est pas grave. Putain, j'avoue que moi, dans la discussion, j'ai totalement oublié. On va remonter. Ah si, j'ai quand même des torches. Attends, c'est bon. Non, mais je vais le faire. J'ai Optifine, moi. Tu t'en charges, mec, c'est ta mission. J'ai pas des petits rollbacks de temps en temps ou c'est moi? Si.
Mais en vrai, okay, c'est le serveur. Les gars, j'ai au petit fine, moi. J'avais oublié. Mec, mais n'hésite pas en fait avec Optifine, mec. Je t'ai senti hésiter là pendant 2 secondes. Y'a de la lab sur moi, les gars. Ah, j'allais poser. Au bout du couloir que j'ai miné, il y a deux fours qui puisent du fer. Donc, moi. Là-bas. Où ça? Ah, ici. À moi. Zombie. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, c'est la première fois que tu faisais cuire du fer, dis donc. Ah oui, nous on était loin, hein. Vu qu'on était un peu séparés. Ouais, oui. Bah je vois ça. Oui, de saboteur en fait. Oh non, je me suis fait chou à mon père. C'est une menace. J'ai cru que t'allais dire un jour je suis cramé, les gars, non. Armaïs, je suis cramé. Vite. T'as combien de cœurs de gamer? Moins 4 cœurs. Oh, c'est insupportable la pluie là. J'ai moins tes cœurs. Cool, mec. Mais, t'as pas vu les prendre ces 6 cœurs pour être honnête, right? Hein. Si, c'est grâce au briquet. À cause du briquet plutôt. Grâce, oui, grâce. Ça veut dire que tu serais foutu le feu volontairement, mec. Alors que tu nous as vanté tes mérites de briquet en mode ouais les gars, j'ai le briquet, c'est juste full time winning ça. Alors les gars, moi je dis Rit a du diamant, Rit est très fort. Mais j'ai donc Rit saboteur. Ouais, il appuie sur X, mec. Le jeu que j'ai appuyé sur X. Juste appuyé sur X là-dessus. Quoi. Mais en fait comme les gars. Les gars, Snow, Rit. Oui. Vous savez que c'est pas la meilleure idée pour miner. En fait, Snow, faudrait que tu te décales de 2 blocs vers la droite, en fait, là, du coup. Genre, attends. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. C'est vrai, tu as raison, mec. Merci de m'éclairer de ta lanterne. Non, encore. Même encore un bloc, Snow. Même encore un bloc, Snow. Ouais, tu veux aussi peut-être que je m'accueille. Non, mec, juste... juste là, en fait. Juste là. Non, juste là, Snow, ici, là. Tu vois? Non, parce que si tu veux, je suis ton chien, quoi, en fait. Non, mais vraiment, non, mais Snow, j'ai de l'expérience sur... dog, en fait. J'ai de l'expérience en 1.16, Snow, je sais comment ça fonctionne, déjà. Mec, y'a pas de problème, je plaisante avec toi. Mais mec, je sais. Non. On est là pour plaisanter, c'est normal. J'ai failli partir en la paille, là. J'ai failli mourir. Attention, là, messieurs, si vous avez de l'eau, n'hésitez pas, vraiment. Alors, c'est quoi l'eau? Attendez, on est où là? Let's go les gars, c'est bon, je suis de retour. Let's go. J'ai tout le matos nécessaire. T'as tout le matos nécessaire? Bah mec. Comment ça, matos nécessaire? Mais les gars, en fait. J'ai du sable, les gars. C'est vrai, ça a bien joué ça. Voilà, après moi je dis ça, je dis rien. Snow? Ah, salut. Alors, je suis en train de visiter le lac de lave, il est très très grand, les gars. Tu veux bien me passer ou non? Ta pomme? Ta paume? Ma paume? Passe ma paume! Qui est une pomme autour de la table? Alors? Je n'ai absolument pas la moindre idée de cette private référence. Je vais demander si je peux l'avoir pour faire une gapelle. Ah, mais bien sûr! C'est incroyable! Mec, mais tiens, mon ami! Comme ça, je peux régène, parce que bon, c'est pas que ça, mais à tout le moment. Mec, mais régène. Bah, c'est con aussi d'avoir voté contre, Riot, si je peux me permettre. Bah, en vrai. Ah, ça dira mal réel là! C'est dommage quoi, c'est-à-dire que si tu voulais vraiment te soigner, le mieux ça aurait été de voter pour, comme ça on aurait pu te soigner, mais bon. Attends, tu me donnes vraiment de l'eau, je crois que j'ai mis clic. Ah non, c'est bon. Non, non, me dis pas ça, non. Pas maintenant. Ah, et aussi au niveau de mon nez. Parce que moi, ce que je flippe, c'est juste qu'il y ait genre une mort genre qui se déroule là et qu'on perd 10 minutes et que genre ce soit tendu de fou quoi. Non. Même s'il y a une mort maintenant, on a large le temps. Tu penses? Aurais-je le tour? Chance, hein. Aurais-je le tour? Il y a des runs où on rentrait à Nether. Excuse-moi, des gamers. Il y a des runs où on rentrait à Nether à 30 minutes. Y'a pas de soucis, mec. J'excuse pas. Donc voilà, en fait, après, c'est pas que moi je suis pas stressé. Mais tu poses un soldat sur la gueule histoire de t'apprendre un peu le respect quoi. Oh, différent! Oh, j'ai de la lave. Let's go, go. Alors du coup, si je me permets d'exprimer aussi au niveau de mon expérience en tant que survie 1.16, et bah vu que j'ai fait tellement de survie 1.16, bah du coup, je voulais améliorer mes survies. Et donc du coup, j'ai découvert un datapack qui s'appelle AI Hunter, et du coup, bah je fais du speedrun avec un AI au cul. Et c'est trop bien.
Je fais que de mourir, mais c'est trop bien. Une intelligence artificielle, un robot, un bot. Oh. Et vraiment, il joue contre toi. Il joue contre moi, voilà. C'est du PVE, là. Vraiment. C'est même pas du PVE, c'est du PVB. En gros, c'est un... Bah après, c'est vraiment de la ligne de code qui se répète au fur et à mesure, mais c'est vraiment... C'est un datapack qui permet de contrôler un porte-armure qui est représenté par un squelette. Et en gros, sur ce porte-armure, c'est fusionné avec un vindicateur, quasiment tous les mobs de Minecraft, en gros. Et du coup, ce datapack permet de faire en sorte que ce porte-armure mine, pose des blocs, court, nous bute. C'est pas mal. Bah c'est un petit peu... C'est un petit peu repris du speedrunner versus Terminator de Dream, en fait. Où Dream, il avait créé un... Voilà, mais... Oui, Dream, il s'était fait un deuxième compte où il avait mis des cheats totalement OP. On va pas se cacher qu'un cheat, c'est OP, les gars. Je suis ravi de vous apprendre un truc. Hein. J'ai envie de vous... Oui, c'est vrai. Raid peut en témoigner, d'ailleurs. Hein. Lui, il aime bien appuyer sur X, quoi. Comme tu sais. Mais du coup... Ça touche à vous. Est-ce que quelqu'un aurait quand même un petit peu de stuff pour des gamers? Parce que je le vois juste avec son pantalon, là, depuis tout à l'heure. Ouais, mais le pantalon, je risque pas de le changer, hein, du coup. Il reste un de fer et ma pioche va péter, mec. Right. J'ai rien. Mais du coup... Mais du coup, ouais, pour que je puisse terminer mon histoire, parce que ça fait quand même ça va faire quand même la deuxième histoire que je termine pas. Du coup, cette survie, j'ai fait une survie justement avec deux potes Irel à moi justement, où notre but c'était de buter dragon, tout simplement. Et voilà. Si on butait dragon, la série était finie. Ah, moi, pour être honnête, je n'ai jamais tué le dragon en pur 1v1 en solo, genre. Je suis jamais jusque-là. En fait, j'ai jamais eu la foi, en fait. Au début, je n'avais pas la connaissance. Et après, ben, le multijoueur m'a tellement rattrapé que du coup, j'ai jamais été chaud de me dire, tiens, je vais me lancer tout seul et finir le jeu, genre. J'ai fait une survie figure-toi, j'ai fait une survie en hardcore, durant les vacances, justement. Pas ces vacances, je dirais même les vacances de Pâques. J'ai fait une survie hardcore où mon but c'était tout simplement de buter dragon. Bah, je l'ai buté. Bon objectif. Bon objectif, hein, pour une série vacances. Bah. Mais du coup, ouais. Du coup, cette fameuse survie. Il est éclaté. Ouais, du coup, je sais plus trop quoi dire là. Ouais, mais du coup, pour que je puisse enfin terminer mon histoire et après que je termine mon histoire sur ma web série. Bah, mec, termine, mec, y'a pas de soucis, mec. Voilà, parce que. Bah, du coup, cette série, elle est déjà en diffusion sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Traquel. Et la série, elle est finie depuis longtemps au niveau des tournages, mais j'ai pas fini le montage. Ah, oh, non. Aïe, aïe. Mais du coup, je dis rien, je dis rien, mais on a été jusqu'au dragon. Après, est-ce qu'on a échoué ou est-ce qu'on n'a pas échoué, j'en sais rien. Mais si on a réussi, bah on est mort quand même pas mal de fois. Poser la question, ouais. On est à mort suivre. Comme... messieurs, je vous invite à vous rapprocher de moi. On va pas tarder à faire le portail. Enfin, moi, salut, je mec. Vais pas tarder à le faire. Je veux bien faire chauffer mon fer. Ah, tu fais du chauffer. Bah, tiens du déjà, mets-toi bien avec ce que je te donne. Ah, c'est trop bien ça. Et je pars juste faire le portail en fait. Comment, c'est trop de la balle. Snow, oui. Où es-tu? Oh, du diams! Là, 70 blocs, j'étais à côté de des gamers, mais. Isno, tu portes des lunettes dans la vraie vie? Hein, quoi? Tu portes des lunettes dans la vraie vie? Attends, deux secondes, attends, on est en interview là. Ouais, ouais. Donc, est-ce que je porte des lunettes dans la vraie vie, c'est ça? Ouais. Qui porte des lunettes autour de la table? Moi? À ma grande chance, j'ai l'occasion de. Ne pas porter de lunettes. Dans un futur possible, de peut-être l'éventualité où, dans c'est le ça. Conditionnel. Waouh, j'ai failli me manquer un peu de lave. Tiens, Snow. Ouais, j'ai des pioches. Parce que du coup, Isno, je te fais quand même la remarque que tu as loupé un filon de 4 diamants. Voilà. Oui, non, mais le diamant ne m'intéresse pas dans la run. Ah, oui, d'accord. Du coup, je me suis fini pour un diamant. T'as combien de diamants? J'en ai deux là encore. Tu peux me les trois? Pourquoi faire? Je vais faire une
Mais il veut se mettre full, il veut se mettre full stuff. Lui. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. Tiens, attends, je te drop les diamants dans la lave. T'es pas obligé d'accepter, hein, des gamers. T'es pas obligé d'accepter. Hein. Te laisse pas avoir. Hein. Oh. Par contre, derrière, tu seras suspecté en tant qu'imposteur. Voilà. Te laisse pas imposteur. Saboteur, pardon. C'est le, c'est celui qui demande les diamants qui est suspecté. Bon les gars, ouais. je suis juste deux pièces quoi. Par contre, t'as aucune, bah maintenant t'as aucune excuse pour mourir. Par contre, right. Non, c'est acté. Je suis désolé. Attends, mais je viens avec les Nether en mode gentleman rules fuck. Eh, du coup, les. Non. Eh, du coup, les gens, j'ai pas. Juste pour vous, là. Histoire, du coup, de bien finir mon histoire parce que je suis un gros relou de la vie. Vas-y. Du coup, ma mob série. N'arrête jamais, mec. N'arrête jamais le vélo. Hein. Bah, mec, on n'arrête jamais le vélo. Hein. C'est un petit peu pour ça que vous m'avez, ouais, vous m'avez invité, quoi, j'ai envie de dire. C'est mais mec, écoute juste, tu nous régales, mec. Bah, c'est du ça. Coup, ma web série, bah, je sais pas quand elle sera en diffusion parce que pour l'instant elle est en pause parce que j'ai plus le temps. Oula. Ah, oh, mec. Mais en gros, la web série, c'était. Mais en gros, la web série, tout est fini, le script, tout, mais. C'est beaucoup trop lourd. T'as les acteurs et tout, du coup. Ah, j'ai tout. Bah, justement, du coup, pour faire face à la série de Will, justement, il n'y a pas de concurrence avec la série de Will. Parce que Will fait partie de cette web série. Oh, c'est pas mal. Mais non. Voilà. Putain, bah, si, mec. T'as une future star dans ton casting, quoi. Par contre, il est là que des épisodes, parce que son personnage meurt à la fin. Non, je rigole. Messieurs, en fait, vous savez pas. Il vous manque quoi comme stuff? Sinon, est-ce que nous pouvons y aller? Moi, il me manque juste mes boots, mais en vrai, je suis pas obligé de les garder, enfin d'en avoir. Tes boots, comment ça? Bah, les boots, quoi. Tiens. Dans le milieu. T'en as? Ouais, bon, attends. J'ai le matériel. Non, c'est pas ça. C'est ça. Attendez. Merci, dude. Qui veut ma vieille épée en or? Oh, ouais. Un or. Qui veut ma vieille épée en or toute cassée? Eh ben, je l'offre à Snowluxray parce qu'il m'a invité. Bon, je mais vous merci, préviens. Mec. Je vous préviens, j'ai fait fondre assez de verre pour faire des bouteilles pour tout le monde. Donc là, normalement, tout le monde. J'ai trois bouteilles. Ah, trois bouteilles. Comme ça, oui. Le saboteur. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux et au cas où le saboteur comme ça, il est. Il en a gros sur la patate. J'ai ah, il est rentré. Rite est rentré. Rite est rentré. Rite est pas rentré. qui veut une pelle en diamant, les gars? Oh, waouh. Mais il a fait une pelle en diamant. Il a fait une pelle en diamant. Au secours. Au secours. Laissez-moi le tuer. Bon, laissez-moi le tuer. C'est l'imposteur. Allez, on y va. Tu fais quoi là? Allez. Eh, les gars, je suis parti. Let's go. Let's go. Eh les gars, je suis parti, hein! Oh, non! Mon biome préféré! Mais non, il j'aime pas ce biome! Régale. J'ai fait aussi un objectif. On m'arrête plus, hein! Les gars, faut me poser des francs, boulot! Non, mais c'est que toi! Non, c'est. T'es mort! J'ai envie de mourir. Entièrement. Oh mon dieu! Vas-y, reviens, mec. Ah, je crois que j'ai oublié d'activer. J'ai activé ou pas le Keep Inventory? Bon, t'inquiète, plus. Je l'ai activé moi-même dans le plugin. Oh, nice, ok, let's go. Bah, je peux revenir, des gamers. Du coup, j'ai plus l'inventory. Attends, au pire, je repasse, je vais lui donner les coups du portail. Ouais. J'ai parce perdu l'inventory. Sinon, c'est fin de soirée pour lui, quoi. C'est ça. Alors, bah, du coup, j'ai perdu l'inventory, mais du coup, je suis dégoûté. Et heureusement qu'il y avait personne. Ah, tu l'as perdu? Ah, t'as perdu l'inventaire? Ouais, j'ai perdu l'inventory. Run fini pour moi. Terminé. Le Keep Inventory marche pas trop, mon pote. Ouais. Donc finalement, en fait, j'ai fait l'inverse. Je crois que j'ai réussi. Oh, oh non, en fait, il... Je vais le TP. Désolé pour le saboteur, mais je vais le TP parce que c'est pas drôle du tout, sinon. Et bien je vais, sûr. Je suis à poil. Fait, du coup, je give mon stuff à moi. Bah écoute, tu peux et j'ai du stuff en rab. Hein, bon, tu régleras ça pour la prochaine fois, par contre. Hein. Ouais. Pas de souci. Oh, il est mort aussi. Il est mort aussi. Ah, on va éviter de faire ça. Une hache, une pioche, ouais. Ouais. Ah, ça ira. Un peu de bouffe aussi, je pense que ça ira. Ouais, un petit peu de bouffe aussi. La bouffe, je vais t'en partager, moi. Ok, ok. Sinon, après, c'est trop cheaté pour le pauvre... Oh là là, heureusement que je n'ai personne dans mon live. Bon, du coup, je suis désolé, des gamers, c'est un problème du plugin. Ah non, mais t'inquiète, hein. T'inquiète, mec. Ah, mais y'a pas de soucis, mec. Y'a pas de soucis. De toute façon, je savais que j'allais mourir comme ça au bout d'un moment. Si, si. De toute façon, si je mourrais pas d'un piglin ce soir, je mourrais du nether. Wow, non, mais c'est pas possible. On n'a pas, par contre, hein. Ouais, c'est ça. Oh non, en plus j'ai fait perdre 10 minutes. La sauce. J'ai fait perdre 10 minutes.
Je suis dégoûté. C'est pas grave, mec, c'est partie du jeu, mec. Ça pimente le jeu, ça pimente le jeu. Ça pimente le jeu, là, au moins, on se dit, on a 20 minutes pour y aller, là. Bon, j'avoue, c'est un autre mec qui meurt, là, j'avoue, ça fout la sauce, mais... Mais non, y'a personne qui mourra, ici. On dira que je suis pas du tout mort, et puis c'est tout. Bon, alors, par contre, attends, je me fais un accès handicapé, parce que sinon, je sens que j'ai encore crevé. Y'a pas de soucis, mec. Prends ton temps, surtout. Ouais, je prends mon temps. Attends, ride doucement, par contre. Ne te passe pas comme ça. Eh, Snow, attention, saute dans la lave. Y'a un gars. Ah, vas-y, je vais faire du tennis avec lui. Attends. Je vais faire du tennis avec lui. Eh, les gars. Viens, on joue au tennis. T'es mon copain, le gars. Ah, merde, y'a un de toi. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh oh. Oh, putain. Hey, let's go. Oh non! Il m'a volé mon kill. Let's go. Il m'a volé mon kill. On n'est pas du tout en UHC, je m'en ai rien à foutre. Ah, désolé, les gars. Doucement, doucement sur les pierres. Aïe. Ouais. Bah vas-y, Raït, on te suit. Hein. Et sous, okay, les gars. Ah, les enfants, vous êtes où? Aïe, vous êtes là. Des enfants. Il est au-dessus, non? Je vous ai appelé les enfants quand même. Les enfants. Ah, et sinon, bah, comme autre projet, bah, j'essaye d'inventer une nouvelle websérie. Il est vraiment en stand-up, là. Non, pas du tout, mec. Alors, pas projet, et en fait, j'ai ça aussi comme projet. Et pour finir, alors, vous aussi, n'hésitez pas aussi, j'ai ouvert une petite supérette en bas de chez moi. Faut pas hésiter, hein. J'ai vraiment des prix cassés. On vend du très bon café, du producteur au consommateur. Hein. Le pire, c'est qu'après, je m'étonne pourquoi personne m'invite dans les concepts. C'est une grande gueule en fait, mais c'est mec, pour ça. Je t'invite, moi mec, tu nous régales, mec, tu nous fais rire. Ah, forêt bleue, forêt bleue. Et du coup, vas-y, continue ton truc parce que je t'ai coupé, mais. Non, mais mec, y a pas de soucis. Y'a pas de soucis, mec. Ah, mais continue, ça m'intéresse, no joke. Hein. Ah, et du coup. Alors, par contre, je viens d'apprendre un truc aussi, c'est que Is No Good est très daltonien parce que du coup, c'est pas bleu ça, c'est rouge. Non, mais y'a une forêt bleue. Ça parle mal. Ah, d'accord. Pardonne-moi du coup, mais du coup, ouais, comme concept de l'erreur, du coup, c'est un Sky Defender un peu particulier. Ah, tu veux reprendre le Sky Defender Je vais reprendre deux concepts et je vais les cross. Tu vois, il y a déjà eu Sky Kingdom, voilà, que j'avais bien réfléchi avant Siphano, mais que. Et bah, je vais cross Procket et je vais. Voilà, je vais cross Protect the King et Sky Defender. Attends, tu vas refaire Protect the King, c'est quand même un peu énervé, non? Bah ouais, mec. Genre, en fait, je trouve que les deux trucs sont vachement durs, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une bannière et à la fois... Enfin, je sais pas comment tu vas réussir, mais en vrai, j'ai toutes... J'ai les règles. Il faut juste que je les écris dans un Google Doc, mais les règles, je les ai. Je les ai, et puis c'est... Ouais. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Tu vois? C'est pas alors, si compliqué que ça, bon. Mais... Là, on en est un peu au point mort, où on peut aller dans toutes les directions. Oh, une forêt bleue. Point mort ici. Une forêt bleue rougeâtre. Est-ce qu'on tente la gauche? Est-ce qu'on tente la droite? Est-ce qu'on revient? Je pense qu'on a plus de chance à gauche, parce que c'est l'impression que ça part plus en vallée. Ouais, bah let's go. Poussez, madame. Non, pas de. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, attendez. Hop. Ok, c'est bon. Va un peu sur la droite. Allez, t'as des balles sur le Sydney Sneak. Bah ouais, mec, regarde. Et hop, bon, hop. Attends. Hop là. Merci. Oh non, je me suis pris un autre cœur en moi. Ouais, alors attendez, on va faire ça. Non. Je suis un taré, moi. Je sais pas si tu le savais, mais... J'ai entendu flipper tout le monde. J'ai entendu quelqu'un prendre un dégât, j'ai fait « Oh non, pas encore. » Non, pas encore. Si tu le voyais déjà dans la lave... Forteresse. Ah, c'est parfait, ça. Let's go. Vas-y, je suis Snow Good, là. Attends, mais... Bah, écoutez, merci Snow du call, hein. Elle fait... Mon pote, on est là pour carry, mec. Elle fait quoi, la taupe? Je t'ai dit, mec, la vallée... J'ai une question, elle fait quoi la taupe? Je pense qu'elle là, elle est un peu dépassée là. Non mais attends, ça se trouve. J'ai pas confiance à Rit. Bizarrement, j'ai pas confiance à Rit. Rit, je t'aime bien, hein. Je t'aime bien en tant que. Il fout des torches partout, le malade là. Non, je comprends, il fait sombre un peu. Le brosson. Rit, tu sais, c'est bien ce que je pensais. C'est Rit, hein. C'est
c'est pas des gamers, elle avait pas le disque en place. Non, ça marche. Alors, attendez. C'est Rite, hein, c'est Rite. Non, mais vraiment, c'est Rite. Ouais, je pense que c'est lui aussi, en vrai. Alors, Rite, hein. Il a commencé à agiter sa tête partout, mec. Moi, je peux rien dire. Rite. Devant et j'étais trop focus. Rite, tu sais, je t'aime bien. Rite, je t'aime bien dans ton rôle de monsieur Taylor en tant que ministre du restaurant. En plus, Rite, il a une macro, on le rappelle. Il a une macro, ce malade. J'ai vraiment pas de macro, hein. Non mais Reed, je t'aime bien. Je t'aime bien toi en tant que monsieur Taylor, mais bon là, c'est bon, on va pas se le cacher. Ok, bon, attendez. Non, attendez, reculez. Quoi, il y a juste un bail, je crois, devant. Parce que moi je vois pas, mec, hein, je suis en blindness. Hein. Les copains, oui, vous tu êtes où? Tu entends la forteresse, elle. Non mais attendez. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Salut les gars. Qui chute ici? Oh, un blaze. Il est où le blaze? Oh putain. Grand. De quoi? Où ça? Oh putain! Attends, tape-le, tape dans le fond, c'est pas ta mère. C'est bon. Ok, c'est bon, j'en ai un. Moi aussi j'en ai un. C'est bon, j'ai du. Vas-y, c'est bon. Là. Quelqu'un en a un ou pas? C'est bon. Là, y'a quoi? Y'a rien. Hop, le coffre. Y'a des selles. Ok, il nous en manque un, les gars. Affronte les arbres. Quelqu'un a chopé la Nether War? Attends, là, voilà. Le virus du Nether, quelqu'un l'a chopé ou pas? Attends, de l'XP. Oui. Depuis le temps que je voulais le miner, lui. Vous êtes sûr ou pas? Attends, mais on n'est pas en survie. Ray, tu confirmes ou pas? J'ai dit, tout à l'heure, il est gros, lui. Je ne veux juste pas qu'il y ait une seule personne qui ait les verrues. Oh non. Ah bah là, on est dans la merde. On est dans la merde, là. Bon bah, restez où vous êtes, hein, écoutez. Alors les gars, je vais juste me build là. Voilà, hein. Si vous le permettez, les gars, s'il vous plaît. J'ai cru qu'il y avait un bug de co. Mais non. C'est moi, j'ai mes objets. Ouais, pareil. Ça me fait à com là. Je suis en train de les. Bah, j'ai pas de fer en fait pour les refaire. Donc moi, je suis doomed. Oh, maintenant, il reste plus que le. Comment ça s'appelle? La vitesse. J'ai un truc ouvert en haut si tu veux. Attends, juste où es-tu, right? Deux secondes. Je suis monté en haut de l'escalier. Oh non, y'a un Wither! Les gars, je suis mort! Je suis mort, y'a un Wither! C'est bon! Je suis là! Je suis mort, j'ai plus qu'un cœur! Mets-toi dans un mur parce que là. Ça tourne au vinaigre! J'ai plus qu'un cœur et demi! T'inquiète, c'est bon, j'ai! Go! Attends, j'ai une table de craft! Vas-y! Mange la table de craft! Hop! Je mets. Les gars! Attends, vous passez pas, tu fais les potions tout de suite maintenant! C'est bon, personne ne passe là. Vous ne passerez pas! Boucher tout! Venez ici! Comme ça! Laissez-moi faire! Si je vois quelqu'un qui prend des potions, bon. Attends. Moi j'observe bien. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait pas dire en fait qu'Izno va saboter les potions? Non, je peux pas. Parce qu'on le sait en fait. Ouais. Là, si des potions sont sabotées, c'est forcément moi. En vrai, j'aime bien le concept parce que ça fait rappeler à mon Gus en fait. C'est trop bien. J'adore. Ok, c'est bon, let's go, les gars. GG ça, putain. GG! Fouf! Alors qu'on a failli lose parce que. Vas-y. Avec la mort des gamers. Oh, fais péter. Désolé aux saboteurs hein, de l'avoir OTP, mais bon, il fallait quand même qu'on soit. On a failli mourir à cause de l'invité de merde là qui faisait que de crever. Non, pas du tout. Bon, allez, du coup. Bon. Voilà. Bon, messieurs, un petit débrief là. Il va falloir qu'on parle là. Parlons. On a gagné dans tous les cas. Voilà. Dans tous les cas, on a gagné. Oh, tu fais quoi là? Les coureurs ont gagné. J'ai fait un cycle d'or. Dans tous les cas. Mais là, du coup, on va quand même si quoi qu'il arrive, les coureurs ont gagné, on va quand même. Au revoir. Pour savoir si on était dans le vrai ou si on était dans le faux. Au revoir. Voilà, je suis déçu. Oh merde, attends, je vais mourir. Je vais mourir par contre. Oh, c'était 11 je te re-TP. Voilà. Alors, moi, ah, j'en fais un bestin, j'ai quand même envie de. J'ai quand même. Je sais pas trop quoi penser de la game en vrai, parce que c'était plus en mode fun que qu'autre chose. C'est clair. Du coup, ils ont goût, je vais te laisser démarrer.
Tiens donc, c'est inhabituel. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire que, comme toutes les fois où, entre guillemets, je ne suis pas le saboteur, MDR. J'ai pas cassé. Je suis resté très focus. Concentré sur l'objectif. Ce qui fait que c'est quand même à double tranchant parce que, vu que j'étais quand même assez focus, j'ai pas pu non plus trop me concentrer sur les réactions des uns et des autres. Cependant, ouais. J'ai quand même trouvé que Wright, lui, avançait avec moi. Il était avec moi. Enfin, il y avait deux groupes. Il y avait vraiment toi et des gamers. Oui, moi, moi c'est vrai que je jouais pas mal avec des gamers. En même temps, on n'est pas laissé derrière, les gars. Si oui, bien sûr. Les gamers, ils jouaient pas. Tu vois, genre... Bien sûr, et c'est totalement compréhensible. C'est même normal qu'il y ait eu des groupes, c'est normal. Donc, Wright était avec moi. Je l'ai pas trouvé pelou. Il a bien avancé. Il a bien joué, en soi. Il a pas fait... Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions avec lui, j'ai envie de dire, donc en soi, voilà. J'ai rien à dire. Des gamers... C'est des gamers, quoi. Non, vraiment, en étant 100% objectif, tu n'as rien fait de suspect, pareil. Bah mec, en même temps, c'est ma première game, donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. Donc du coup, attends, si je comprends bien les mathématiques, là, du coup, si forcément... Non, parce que toi aussi, techniquement, tu as joué comme d'habitude, même si c'est très mauvais de prendre un point de comparaison comme ça, mais tu n'as pas été suspect. Toi aussi, tu n'as pas été suspect. Pas mais du coup, c'était qui? C'était personne, en fait. À la limite, ce que je pourrais dire, c'est que, justement, t'as été effectivement dans la rigolade, dans l'amusement, et ça, j'aurais pu peut-être interpréter ça comme une tentative de ralentissement de game, tu vois, mais c'est tout. Je n'utiliserai pas le fait que j'ai re-TP instantanément des gamers pour ma défense. Oui, bien sûr. Oui, totalement, je comprends. Mais voilà, pour toi, il y a personne, quoi. En gros, récapitulatif, il y a personne pour toi. C'est compliqué, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué, parce qu'après, si je fais mon retour à moi aussi, pardon, sur les tentatives d'assassinat, hein, avec les différentes compétences... J'ai toujours été celui qui était le premier, qui était en avant, donc j'avais pas vraiment de visu sur les personnes, j'avais pas vraiment de visu sur vous, donc je peux pas dire grand chose non plus. Bah écoute, après... moi je pense, enfin moi je suis même avec toi, sauf pour Wright qui pour moi et lui, c'est pour moi, ça s'appelle le... parce que toi Isnogu t'as été trop avant-gardiste, presque tous les sorts ont été utilisés, notamment sur la fin. Et donc, les compétences, pardon. Et donc, du coup, pour moi, c'est Wright, parce qu'effectivement, dans le box, à un moment, il me semble qu'à un moment, il commençait à regarder à l'extérieur, au moment où on a eu le dernier effet. Et donc, du coup, pour moi, ça coïncide avec Wright, parce que dans les deux cas où les compétences sont apparues, Wright était en train de faire n'importe quoi avec sa souris. Oui, j'avoue. J'avoue. Ouais, voilà. C'est... Je fais n'importe quoi avec ma souris, je peux pas taper une commande, surtout que j'avais pas mis de commande. Mais oui, pas mais besoin de taper une commande puisque tu la précharges. Attends, c'est pas juste, t'as pas compris. Attendez. Est-ce que vous avez juste simple question. Est-ce que vous avez vu Wright s'arrêter dans le Nether à un moment? Est-ce que vous l'avez vu s'arrêter? J'ai pas fait attention. Non, par contre, je l'ai vu me regarder et il a agité le bras. J'ai pas fait attention, mais il a très bien pu s'arrêter pendant que les gamers revenaient. Ouais, parce qu'à un moment, du coup, il y avait que toi et Wright à plusieurs moments. Hein, donc, non, mais par contre, Wright, il y a eu un moment en fait où c'était vraiment très cramé que c'était que ça pouvait être lui. C'est parce que à un moment, il m'a regardé, il a agité sa main et à partir du moment où il a commencé à agiter sa main, j'ai eu l'effet. Donc, j'ai envie de dire. Exactement, mec, je suis assez d'accord avec ça. Voilà, donc Wright, tu es la taupe, voilà. Wright, on va te laisser dire ton, dire ton avis, Wright, qui tu penses être saboteur. J'ai une chose à dire. Déjà, pour moi, c'est quand il y a eu l'effet. L'effet ou autre, ça m'étonnerait que ça soit des gamers, parce qu'à un moment, quand vous étiez en train de miner pour aller vers la forteresse, il était en sneak, j'ai jamais vu ASK vraiment, il faisait que de courir, marcher, c'est la même chose. Et j'ai jamais fait un... J'ai un état d'esprit de... Ça m'étonnerait que ça soit toi. Parce que comme t'as dit, t'as pris le lead, t'as fait les potes, tu pouvais mentir aussi sur les Blaze Road, des trucs comme ça à la fin. Et pour moi, en conclusion... Moi, ce que j'ai trouvé curieux d'ailleurs, juste c'est le seul truc curieux d'ailleurs, c'est que Is No Good a demandé si quelqu'un venait Netherwart, alors pour moi, je l'ai vu le prendre, mais... Non, je les ai pas pris justement. Non, il a pas pris. J'étais, en fait, justement, j'étais tellement focus sur le fait que personne ne prenne de dégâts et de clear la zone que j'ai zappé les Netherwart pour tuer les Blaze à tout prix.
Voilà. Okay. Et donc justement, Ride de l'autre côté, lui, a fait les Nether Warts et me les a filés après. Et ça, comme j'ai dit, pour moi, en conclusion, vraiment, si j'ai pas beaucoup de preuves, mais en termes de mathématiques, c'est Snow le plus suspect pour moi. Voilà. J'ai pas vraiment de preuves. As always. Du coup, c'est qui la taupe? Attends, des gamers, t'as... C'est pas la taupe des gamers, c'est le saboteur. Le saboteur, ouais. Et ah, des gamers, t'as envie de dire quelque chose, toi aussi? Bah... Il a déjà parlé, hein. Il a en dit vrai, que, j'ai... Pour lui, c'était Ride. Okay, pour moi, c'était Ride. Ok. Bah écoutez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on passe au reveal? Bon, on peut passer au reveal. Hein. On peut passer au reveal. Allez, messieurs, roulement de tambour, qui était... Je peux mourir avant. Le saboteur de cette game... Il va apparaître dans le chat. C'est évidemment moi. Estonolux Ray, il a rien foutu. Mais non. Heureusement avec mes mathématiques. C'est terrible, le call de la vallée. En fait, je sais que je voulais faire le call de la vallée en me disant... Allez, ça je vais pouvoir utiliser ça pour moi. Genre, si j'ai réussi à mettre le timer à zéro, je pourrais... En fait, j'ai essayé de mettre des pièces de mon côté au cas où je réussir à carry la game. Du coup, je me suis dit, le coup de la vallée, le coup de la TP des gamers, le coup du le coup de Ride qui agite sa main à chaque fois que je déclenche une compétence, j'étais en mode, c'est parfait. Si j'arrive à zéro, c'est parfait. Et ce qui est terrible, c'est que la forteresse... Pourtant, quand j'ai clear les shields, en vrai, ça a mis des gamers à un cœur. Et en gros, je voulais le tuer. Et du coup, je me suis dit, pour le tuer, il faut que je lui pose un saut de lave sur la gueule. Mais le problème, c'est que Ride a commencé à nous enfermer. Et donc je voulais mettre la speed pour que le FOV soit changé pendant une seconde de manière à ce qu'il voit plus rien et que je pose le saut de lave et ensuite que j'accuse Ride derrière. Sauf que le problème c'est que vu qu'il restait que 11 minutes, ça ne suffisait pas. Du coup il allait rester 1 minute 30 et c'était foutu quoi. Ouais, il a fallu que je meure direct. T'as quand même osé le mettre à la je meure d'affilée. T'as quand même osé le mettre à la toute fin. Non mais je voulais le mettre à tout ça mais merde encore. Les potions juste avant. Pardon. Mais non, t'as eu les potions juste avant et donc du coup c'était terminé. Sinon mec, si je mettais le saut de lave, on mourrait tous les trois et c'était fin de la partie. Honnêtement. Mais j'ai été trop lent à faire ça. Honnêtement, pour moi c'était vraiment compliqué parce que ça pouvait pas être Ride parce que sa manière de jouer était trop fair play entre guillemets. Ça pouvait pas être toi non plus parce que justement ton call de la vallée pour moi c'était un bon point tu vois donc pour moi. C'est pour ça que je vais mettre la vallée de mon côté au cas où ça finisse au vote tu vois. Donc en fait c'est triste à dire mais en fait quand j'éliminais entre guillemets après quand j'éliminais les faits et le temps passé avec chacun entre guillemets parce que c'est ça qui a sauvé Ride aussi de mon point de vue hein. C'est le temps que j'ai passé avec lui hein. Pour moi il a rien fait de chelou quand j'étais avec lui pour moi c'était soit des gamers soit toi ça, pour moi c'était vraiment 50-50. En fait, après, vraiment, je savais vraiment pas qui c'était entre vous deux. Bon, en fait, les gars, c'était moi depuis le début, du coup, j'ai réussi, du coup, à me faire, on va dire, petit aux yeux de... Après, en fait, pour Ride, c'est encore une fois, c'est le même schéma. Pour Ride, c'était forcément... il pouvait que forcément penser que c'était moi, puisque ça pouvait pas être des gamers, et ça pouvait pas être toi, Isno, donc ça pouvait forcément être que moi. Donc, du coup, j'avoue que Ride était forcément contre moi. Du coup là-dessus, toi, Isno, t'avais pas d'avis et moi, j'étais pas après, il y a des gamers étaient d'accord avec moi pour Ride, donc du coup, j'aurais peut-être pu m'en sortir si jamais j'étais arrivé à zéro. Mais j'étais à une minute, hein, c'est terrible, hein, à une minute près. Mais ouais. Quoi, j'aurais dû être meilleur. J'aurais fait le call de droite, c'était bon. Ouais. Le call de droite, c'était bon pour moi, mais bon, my bad. C'est ça qui est cool, tu vois, des gamers avec ce mode de jeu, c'est que c'est très, t'es pas obligé d'être un monstre en PVP, tu vois, ou en PvP pour. Pour que ce soit sympa, t'as vu? Même là, tu vois, j'ai perdu, mais à 1 minute 30, c'est pas que j'ai pas perdu, genre il restait 30 minutes, tu vois. Genre, oui. Il restait vraiment peu de temps, et du coup, c'est pour ça que c'était cool. Du coup, est-ce que ça t'a plu, mec? Bah, en vrai, mec, très content. Très content, ouais, en vrai. Ouais, ça t'a plu? Ouais, après, ouais, je voyais vraiment ça comme un genre de PVP 1.16, entre guillemets, tu vois, avec une top et tout, que la top devait tuer tout. En fait, non. Pas du tout. On peut pas se taper. Le seul truc que tu peux faire, c'est faire des pièges ou poser des solaves à des mecs, mais sauf que ça se voit. Et si ça se voit, si on te voit faire ça, ça peut se retourner contre toi au niveau des votes. On peut te dire, c'est des gamers qui a posé solave, tu vois. Le truc que je voulais faire, c'est que je voulais poser. Vu qu'on était enfermé dans la box, je me suis dit, avec un peu de chance, dans le flou, ils vont pas forcément voir que c'était moi, tu vois.
Du coup, je voulais poser saut de lave, genre me retourner instant, tu vois, pour faire style. Bah, c'est pas moi, j'étais de dos, je sais pas ce qui s'est passé. On nous a mis un saut de lave. Je voulais vraiment partir de là, mais bon, c'est allé beaucoup trop vite. Mais tu vois, c'est un mode de jeu, tu vois, justement, bah, qui nécessite juste de réfléchir. Et ça joue beaucoup sur les décisions, tu vois. C'est beaucoup gauche, droite, on part miner maintenant, on n'y va pas maintenant. Et en fait, c'est tout un équilibre, tu vois, de teamplay qu'il faut avoir. C'est est-ce que tu lead la game ou pas. Mais si tu lead trop après, et si t'es saboteur, bah du coup, t'es trop l'équipe, du coup, ça te met mal. Du coup, faut pas trop leader derrière. Mais si t'es trop derrière, t'es cramé aussi. C'est dur, tu vois. Faut réussir à être dans le bon flou, quoi. Oui, je vois. Mais en vrai, non, ouais. Même si c'est pas un concept d'OPVP, en vrai, c'était cool. C'était cool. Ouais, bah écoute, c'est purement j'essaie de faire des concepts qui innovent un peu et qu'on voit pas ailleurs. Et Après, je suis pas sûr que les Américains ils l'ont pas vu. En fait. Oh, ouais. Non, en vrai, je pense. Les Américains viendront pas me chercher, je pense. Les Américains, ils sont en train de dire, mais mec, j'ai 1 million d'abonnés, t'en as 800. On se calme. Je le récupère. Voilà, tu te calmes. Mais du coup, ouais, bon bah voilà, écoutez, bah c'est la fin de cette game, du coup, on va essayer de régler le bug de du respawn, du coup, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, je m'excuse, je m'excuse vraiment des gamers, surtout. Non, mec, non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, de toute façon, si je mourrais pas de la lave, je mourrais d'un Wither squelette. Ok, donc t'inquiète pas, mec, il n'y a pas de souci. Non, mais de toute façon, mec, je te la demande maintenant, tu vois, bah, tiens, est-ce que tu veux faire la revanche la semaine prochaine? Bon, en vrai, maintenant que tu connais, si j'arrive à m'arranger, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Let's go. Après, je te laisse tranquille. Après, je te laisse tranquille. Genre, je veux juste te permettre de faire la revanche, que t'as eu le bug et tout. Non, mais ouais, il y a pas de souci. Une vraie expérience, quoi. Il y a pas de souci. En plus, avec un peu de chance, tu seras saboteur. Tu sais comment ça marche, en plus, maintenant. Donc, c'est parfait, quoi. Je crois. Bon, on verra. Je crois. Je crois, oui. Oui, oui, oui. Non, bon, on va voir. Voilà, ainsi s'achève la rencontre. Merci, merci beaucoup des gamers d'avoir accepté l'invitation. Écoute, ça me régale. Et puis voilà, c'est la fin du live pour ceux qui nous ont suivis. Je suis très content de votre intérêt. En tout cas, il y a certains qui sont passés. Liam qui est passé. Merci Liam, merci Thorak. Merci. Mon Dieu, il veut me brûler. Au secours. Tu veux me brûler, c'est ça? Dans le chat. On bouge pas, mec. Puis, ben, ceux qui regardaient en soum-soum, quoi. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. On se retrouve demain à partir de 21h30 pour le live du roleplay. Allez, des bisous, ciao. Ah, allez, chais. Comment ça? Ah oui, merde, attends, peut-être que je coupe mon live. Attends, je vais mourir. Non, pas mourir. Il faut lui dire quoi, le chien là. Il y a Rick qui me brûle. Au secours, je brûle. Non, non, une araignée. Je mourrai pas. Attends. Bon bah écoute, des gamers, c'était un plaisir. Ouais bah attends, mec. Écoute, tu nous as régalé toute la soirée, mec. Régalé et puis. Ouais, attends. De toute façon, je te l'avais promis. Attends, outre à l'arrache pour mon live. Concept, moi, outre à l'arrache pour mon live, vas-y, abonnez-vous. Ton live, pas de soucis. Abonnez-vous le live. Allez, à la prochaine. Allez, à plus, live. On insiste.